Bon, je suis trop contente. Je suis dans le top 20 pour Objectif Job de rêve saison 6. Je suis trop trop contente parce que je l'avais tenté il y a 3 ans. C'était post-Covid, donc c'était en 2020, je crois. Et j'avais pas réussi à passer à l'étape suivante. Et là, cette année, ça y est, je suis passée. Déjà, salut tout le monde. Je vous ai même pas dit bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, mon rhume est en train de passer un petit peu. Donc, désolée si je parle un peu du nez. Mais c'est la fin. Donc, je devrais pas trop mourir pendant cette vidéo, normalement. Déjà, pour mettre les bases, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent ce qu'est Job de rêve. En fait, Job de rêve, donc c'est organisé par Forestier Cellier, donc la marque de sel. C'est une expérience qu'ils font vivre à deux cavaliers pendant tout le mois de juillet. Vous partez faire des stages avec les cavaliers de chez Forestier, donc c'est-à-dire par exemple Nicolas Touzin, Alexis Goury pour le complet, Cyril Bouvard pour le saut, avec qui j'avais déjà fait un stage et j'avais beaucoup aimé. Et en plus, il avait bien aimé mon cheval. Chose un peu étonnante avec ses jarrets droits. Donc j'étais trop contente. Puis on a d'autres encore, Julien Anquetin. Donc en fait, vous partez faire des stages avec tous ces cavaliers-là. Il y a également les partenaires de Job de rêve qui interviennent. Notamment par exemple cette année, il y a toujours un partenaire un peu nutrition. Cette année, c'est Royal Horse. Du coup, il intervient pour. Il pèse votre cheval, il parle de la nutrition, etc. Donc voilà, il y a les interventions des partenaires. Et vous partez également en compétition, toujours sous l'œil de Forestier, si je peux dire. Tout ça en se déplaçant en camion Forestier et tout ça. Enfin, c'est vraiment une aventure oufissime parce que ce genre de stage, donc j'avais eu la chance de le faire avec Cyril Bouvard pour ceux qui connaissent à Mâcon. Comment ça s'appelait les trucs d'hiver? Académie d'hiver à Mâcon, je crois. Mais le stage de mémoire, je crois que c'était 350 euros pour les 2 jours. Enfin bref, c'est le genre de truc on peut. Enfin, en tout cas, personnellement, je peux me payer une ou deux fois, mais voilà, je peux pas payer ça tout le temps, plusieurs fois par an, etc. Donc c'est vraiment. Job de rêve, je vois vraiment ça de quelque chose incroyable que peu de personnes peuvent vivre et ils le rendent accessible pour des gens lambda, entre guillemets. Donc je trouve ça fou et avec Bad Boy en plus, là on est en plein dans la fleur de l'âge, on peut dire, parce qu'il prend 13 ans cette année. Donc si on veut performer, c'est maintenant parce que plus tard, bah, ça sera sûrement trop tard. Et Bad Boy, c'est le cheval de ma vie, donc c'est avec lui que je veux faire ce genre de truc, c'est avec lui que je veux faire des expériences de ouf. Et ça, vraiment, ça serait le pompon sur la Garonne, si on peut dire. La cerise sur le gâteau, vraiment, pour parfaire ma vie avec lui, parce que ça serait incroyable. Je pense que je réalise même pas tellement c'est une expérience de fou, quoi. Enfin, ça serait trop bien, et pouvoir lui offrir ça aussi. Moi, j'adore. Oui, c'est un cheval, oui, il vit au pré, et lui, ça lui suffit, il a son pré, ses copains. Mais j'adore pouvoir lui montrer plein de choses et faire plein de choses et lui montrer que même ça va me faire pleurer, que même sa vie de cheval au pré qui est déjà super cool, bah elle peut être palpitante et on peut faire des trucs trop bien et voir des trucs. Alors ouais, ça stresse un peu de monter dans le camion, mais on sort du camion, on fait des trucs trop intéressants. Le monsieur au milieu de la carrière, il nous dit de faire des trucs trop bien et tout, ça change. Et je sais que Bad Boy, il adore ça, découvrir de nouvelles choses et tout. Et du coup, justement, pouvoir lui faire découvrir ça, et moi aussi, enfin, ça serait incroyable. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'était Job de rêve. Si jamais, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Et du coup, je vais avoir encore besoin de vous pour cette étape, parce que maintenant, donc on n'est plus que 20. Ça se termine le vendredi 29 mars à 18h. Et donc, ce qu'il faut faire, si vous le souhaitez, si vous voulez nous aider à ce que Bad Boy et moi on participe à Job de rêve, c'est d'aller voter pour nous sur le site Forestier. Il suffit de rentrer votre adresse mail, de nous choisir. On est numéro 15. Vous mettez donc je choisis le numéro 15 et ensuite vous mettez valider mon choix. Et voilà. Et donc comment ça marche les critères pour cette année? Je vous avoue, je les ai plus en tête. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, j'ai pris mon ordinateur. Comment ça va se passer les points pour cette partie-là de classement et qui est la dernière vraiment partie pour se qualifier pour Job de rêve, puisque les votes que vous allez faire, ça déterminera les deux gagnants. Donc là, on est vraiment sur la fin. Donc vraiment, il reste en gros 10 jours pour avoir la chance de faire Job de rêve. Comment ça va se passer pour cette partie-là? Le premier point, ça va être la viralité, qui donne 12 points. Donc ça, c'est les votes sur le site Forestier.
Donc j'imagine que par exemple le premier a 12 points, le deuxième en a 11, le troisième en a 10. J'imagine que c'est un petit truc comme ça. Ensuite, le deuxième point, c'est les partenaires. Chaque partenaire attribuera des points bonus à leur couple préféré. Et ça peut être jusqu'à 5 points. Donc, j'imagine qu'ils peuvent également, par exemple, donner qu'un seul point. Mais voilà, donc ça peut faire bouger le classement. Et le troisième point, c'est l'équipe forestier. La team forestier pourra elle aussi attribuer des points bonus à ses couples favoris. Et là, pareil, c'est jusqu'à 5 points. Les votes sur leur site internet comptent énormément, mais finalement, les partenaires et l'équipe forestier comptent aussi beaucoup. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire Job de rêve, c'est pour montrer que un cheval au pré qui vit pieds nus, que je tombe pas l'hiver parce que du coup bah, il est au pré, que je mets pas de muserolle sur son filet parce que je ne comprends pas à quoi sert sa muserolle. On est un peu des babos, et bah on peut quand même faire job de rêve et faire des trucs incroyables que des chevaux de compétition peuvent également faire. J'espère que les partenaires et l'équipe forestier aimeront bien ce côté-là. En tout cas, moi, c'est celui que je veux montrer, que je veux démocratiser, entre guillemets. J'ai dû changer de batterie parce que je n'avais plus de batterie. Bref, vous avez un poil sur les yeux, voilà. Donc j'espère que Forestier et les partenaires auront la même vision de l'équitation que moi, qu'on peut être un cheval de sport et pourtant avoir une vie de cheval, donc c'est-à-dire au pré avec des interactions sociales et avoir ses besoins physiologiques respectés. Je n'ai absolument rien hein, contre les chevaux au boxe. Bad Boy a longtemps été au boxe, mais je ne voulais plus qu'il soit au boxe. Là, je voulais qu'il ait une vie de cheval. Je compte énormément sur vous pour cette dernière partie. N'hésitez pas à partager à vos collègues, à votre famille, à vos amis pour qu'ils aillent voter pour nous. Ça serait incroyable. Je me répète, dites-moi en commentaire le nombre de fois où j'ai dit incroyable dans cette vidéo. Je crois que je vais les compter aussi. Mais voilà, ça serait incroyable de pouvoir faire ça avec Bad Boy. C'est vraiment un truc de fou malade que moi je ne pourrais pas me payer en temps normal. Donc voilà, je compte sur vous, je croise les doigts, je vais tout faire pendant ces 10 jours. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine.